Alors, je discutais cette semaine justement avec M. Gourcuff, qui était à Saint-Sébastien, à Urban Soccer, pour un tournoi d'entreprise. Et je lui posais la question, ce qu'il pensait un petit peu de ce foot loisir le soir. Et lui, il trouvait que c'était une façon de pratiquer le foot, certainement de l'avenir. Il disait que les gens recherchaient de plus en plus le plaisir. Et que président de ligue que je suis, à la fois satisfait de voir qu'il y a des structures commerciales qui se mettent au service. Je pense quand même qu'il faut qu'on soit très attentif parce que faut pas oublier que la base du football en France et dans le monde, c'est d'abord le club. Et que avant tout, il faut permettre à nos clubs précisément d'appliquer et de donner la possibilité aux pratiquants d'exercer mais en club. Parce que sans quoi, vous savez, le monde commercial est assez impersonnel. Alors, je connais ces structures avec lesquelles on est associé un certain nombre de fois, mais moi je préfère largement privilégier le club qui est la puissance de base du football et je fais plutôt confiance au club pour organiser tout ça. Alors, à nous de les aider aussi. On a un travail à faire de ce point de vue-là. On y est dans ce travail. Précisément pour aider nos clubs à sortir du football classique du dimanche après-midi ou du samedi après-midi, permettre à tous ces pratiquants d'opérer selon leur bon vouloir et tout en restant en club parce que c'est assez vital. Et c'est parfois un problème d'infrastructure tout simplement, oui. Parce qu'évidemment ce que les gens cherchent aujourd'hui c'est aussi un peu le confort. On est d'accord et le fait est que nous, mairies qui font des efforts et on est à Nantes ici, on peut pas dire qu'à Nantes il n'y a pas d'installation sportive, il y en a d'énormes mais il n'y en a pas assez. Et le constat qu'on formule c'est qu'il en faudrait davantage pour accueillir tous ceux qui veulent. Les clubs nantais, précisément aujourd'hui, sont dans le refus d'un certain nombre de nouveaux pratiquants parce qu'ils n'ont plus d'espace. Donc il faut que la mairie se casse la tête pour trouver de nouveaux espaces. Et c'est un bon message juste avant les municipales. Ah ben on est bien d'accord. Oui, c'est pas par hasard si je vous le lance. Et si je peux me permettre un petit bout de terrain aussi pour le CC Foot. Bien évidemment. Exactement.